Bonjour, un petit rayon de soleil ce matin pour vous dire deux petits mots pour clôturer cette promo 2020-2021 des entrepreneurs d'Île-de-France, qui encore une fois cette année s'est déroulée dans un environnement difficile, dans lequel nous avons été dans l'obligation de délivrer la totalité du programme en distanciel. On a interrompu avec notre ADN, qui est quand même fait de rencontres, d'échanges, de moments partagés. Donc je remercie les étudiants qui ont couru la course jusqu'au bout, je crois, dans des conditions pas très marrantes. Remercier nos coordinateurs, qui est Anaïde et Jacques, qui ont développé une énergie dingue pour maintenir aussi vivant que possible dans ces conditions le programme. J'ai vu des très beaux dossiers, des très beaux projets arriver dans le jury, et donc je pense qu'on a fait le job. Et puis je veux remercier aussi nos coachs et parrains qui sont bénévoles, qui ont renouvelé ce très beau cadeau qu'ils font de leur temps à l'équipe d'étudiants, et qui il n'y a pas de philanthropie ou d'action philanthropique sans bénévolat, et c'est vraiment eux qui portent à nos côtés le programme. Et puis enfin, évidemment, merci à nos partenaires. Nous, on est financés essentiellement par département public, région, ville de Paris, agglomération de Paris-Saclay ou BPI. Et nous aurons à nouveau fait confiance malgré les temps difficiles, et sans eux, on n'aurait pas pu faire tout ça. Je forme juste le vœu que l'année prochaine tout redevienne normal et qu'on retrouve ce plaisir de se voir, qui est encore une fois un des éléments clés. La relation humaine est un des éléments fondamentaux de l'entrepreneuriat, et puissions-nous le démontrer à nouveau l'année prochaine. Voilà, merci. Bonjour à toutes et tous, l'aventure Les Entrepreneurs pour l'année 2020-2021 se termine aujourd'hui. Une année à nouveau marquée par la pandémie, mais arrêtons d'en parler et profitons de l'éclaircie que vous nous avez proposée ces derniers mois. En effet, à l'heure du distanciel, de l'isolement, vous nous avez offert 4 mois de partage, d'échange et de travail en équipe. Tout cela est rendu possible grâce au travail notamment de nos coordinateurs et aux 1800 bénévoles qui donnent de leur temps. La gouvernance, les antennes, les chefs d'entreprise, les coachs, les experts, chacun participe à son niveau à la réussite de notre programme. Enfin, je veux remercier nos partenaires en région et au national sans qui nous ne pourrions déployer Les Entrepreneurs. Cette année encore, vous avez été près de 1500 jeunes à participer au programme Les Entrepreneurs, 376 équipes réparties sur 37 campus. Vous allez rejoindre maintenant les 14 000 alumni qui ont déjà suivi Les Entrepreneurs. Alors Les Entrepreneurs, c'est aussi un parcours qui s'inscrit sous le signe de la diversité. Diversité des parcours, bien sûr. D'abord, chacun d'entre vous vient d'horizons différents, de cursus différents, et vous réunissez vos compétences multiples au service de votre projet. Mais aussi diversité culturelle et sociale. 16% des jeunes qui ont suivi Les Entrepreneurs cette année viennent des quartiers dits issus des politiques de la ville. Ça fait peu, mais c'est quand même 240 jeunes. Et ce nombre a presque doublé par rapport à l'an dernier. Les Entrepreneurs sont aujourd'hui un formidable outil d'insertion professionnelle. Tout au long du programme, les jeunes ont développé des compétences entrepreneuriales, compétences que certains d'entre vous, en fait, ont valorisées via le certificat en compétences entrepreneuriales. Nous avons engagé une démarche d'inscription au registre spécifique de France Compétences de ce certificat. Cela fera, en fait, le premier certificat en compétences entrepreneuriales issu d'un parcours non académique et reconnu par l'État. C'est très important pour nous. Nous avons même rajouté une 7e compétence, la compétence de l'impact social, sociétal et environnemental. Cette compétence, j'en suis sûr, sera la plus facile à valider pour vous. Tant les projets que vous nous avez encore présentés, vous allez encore nous présenter chaque année, sont naturellement empreints de la nécessité d'agir pour notre environnement. Pour toutes ces raisons, et quels que soient les résultats des jurys, vous avez déjà tous gagné. Et je voulais vraiment vous remercier pour les bonheurs que vous nous avez procurés tout au long de ce parcours. BPI France est très fier de soutenir Les Entrepreneurs, avec lesquels on partage un ADN très fort.
C'est un réseau qui soutient les jeunes partout en France, quel que soit leur parcours, quelle que soit leur formation, d'où qu'ils viennent. Et ça, BPI y est très attaché. C'est un réseau qui travaille avec tous les autres réseaux et qui travaille notamment avec les entrepreneurs engagés de notre territoire. Et c'est la meilleure formation qu'on peut apporter à ces jeunes que de les mettre au contact de ces entrepreneurs. Et puis, c'est un réseau qui permet à ces jeunes de tester en grandeur nature la viabilité de leur projet et les conditions dans lesquelles ils pourront le mettre en œuvre. Tout particulièrement pour les peaux noires et qui s'adaptent à tous. Un soin hydratant, nourrissant, anti-tache et qui traite les problèmes d'eczéma. Qu'envie! Je voulais remercier toute l'équipe des entrepreneuriales, aussi les professionnels, tous ceux qui sont un petit peu intervenus dans ce programme. Alors, je viens de valider un master en marketing digital et une partie aussi entrepreneuriale. Donc, pour moi, c'était un moyen en fait de confronter un petit peu mon parcours et puis me jeter un peu dans le bain et d'aller sur quelque chose de concret, donc tester des concepts, voilà, mettre un peu en profil mes compétences en marketing digital, etc. Et puis, du coup, c'était aussi un moyen de gagner en expérience, de voir une autre vision de l'entrepreneuriat. Franchement, c'était top parce que du coup, pour moi, ça a permis par exemple de me mettre en confrontation avec des gens que je ne connaissais pas du tout, avec des profils complètement différents. Donc, on avait vraiment cette approche pluridisciplinaire. On a eu derrière toute la partie du programme qui était vraiment très intéressante, qui permettait en fait pour les gens qui ne connaissaient pas l'entrepreneuriat ou qui n'avaient aucune base, d'avoir l'approche entrepreneuriale, les démarches, les différentes étapes, les outils, les ressources, et bien sûr les workshops qui permettaient vraiment en fait d'avoir l'accompagnement. Et pour quelqu'un qui vient du milieu de licence, qui n'a pas encore toute cette approche-là, toute cette expérience, c'est vraiment top. Je peux en retenir aussi pour ceux qui n'ont pas, qui sont au niveau licence, par exemple, au niveau master, c'est que pour ces gens-là ou pour ces étudiants-là qui n'ont pas encore beaucoup de réseau, c'est aussi un plus de se confronter en fait à quelque chose de concret, avoir une réelle expérience. Les entrepreneurs et moi, c'est une histoire de longue date. En effet, j'ai participé à l'édition 2012 des entrepreneuriales lorsque j'étais étudiante en Master 1 à l'IAE de Brest. J'avais constitué mon équipe autour d'un projet de catalogue d'avantages hors rémunération destiné aux TPE et aux PME n'ayant pas de comité d'entreprise. Et nous avons remporté à l'époque le prix Dream Team. Je garde ce concours de merveilleux souvenirs de créativité, de passion, d'engagement, d'apprentissage et de dépassement de soi. J'ai voulu revivre cette expérience, certes différemment, et c'est pourquoi j'ai proposé ma candidature afin de devenir coach et pouvoir ainsi partager mon expérience d'ancienne candidate avec d'autres jeunes entrepreneurs. J'ai choisi de m'associer à l'équipe du projet Helpine, qui propose une plateforme numérique destinée à améliorer l'accompagnement médico-social des personnes en situation de handicap. Ce projet m'a beaucoup touchée car je suis moi-même autiste Asperger. Je peux donc apporter à mon équipe un témoignage concret de ce qu'implique une situation de handicap au quotidien. Ma mission de coach est avant tout d'accompagner l'équipe tout au long du concours. J'ai suivi l'évolution des réflexions du groupe,
je donne mon avis sur les livrables du projet, je garde un œil sur le planning, et plus que tout, je suis là pour encourager et pour soutenir chaque membre de l'équipe avec bienveillance. Si vous aussi vous souhaitez défendre votre projet de création d'entreprise et participer à une aventure aussi riche qu'exaltante, n'hésitez plus, le concours des entreprises est fait pour vous. Des entreprises en Île-de-France vient de s'achever. Je tenais à féliciter toutes les équipes qui ont participé cette année dans un contexte particulièrement difficile lié à la crise sanitaire. Ce programme aura permis une nouvelle fois de nombreux jeunes de se former à la création d'entreprises et donner naissance cette année encore à de très beaux projets. Je remercie tous les chefs d'entreprise, coachs, parrains ou experts qui ont consacré leur temps pour aider les jeunes durant ces 5 mois. Je vous donne rendez-vous à tous à partir de septembre pour accueillir la future promotion 2022 qui sera, je n'en doute pas, tout aussi motivée.